La question environnementale a été prégnante dans la plupart des sessions, aussi bien quand elles étaient totalement tournées vers cette question, comme par exemple la session sur le marché des crédits carbone volontaires, mais aussi sur des questions plus éloignées, comme les questions sur l'IA. La question de l'innovation technologique au service de la transition écologique était toujours très présente. Un des enseignements que je peux noter, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde un peu la planification écologique et la transition écologique et les différents leviers, à savoir la réduction des émissions et la préservation des ressources, on oublie un autre pilier qui est l'adaptation des territoires au changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à l'augmentation de la fréquence des événements climatiques majeurs? Et ça, c'est une question qui, malheureusement, j'ai trouvé un peu manquante parfois, qui aurait pu être un peu plus appuyée et sur lesquelles on aurait pu formuler certaines recommandations. Alors, si je prends par exemple la question de l'eau, lors de la session sur les matériaux critiques, on a parlé beaucoup de semi-conducteurs, on a parlé de technologies, on a parlé de métaux, mais on n'a pas parlé de ressources pour fabriquer ces semi-conducteurs, ressources critiques, tendues dans certaines régions. Et par exemple, en France, là où je travaille, la question du plan eau et de la sobriété hydrique des usines est quotidienne. Et malheureusement, on a parlé des semi-conducteurs et des matériaux associés, mais pas des ressources qui paraissent illimitées. Et c'est des problématiques qu'il faudrait plus mettre en avant, à mon sens.